Postcasper, Fest, Lexus and Rolex, 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 Rolex. Comme quoi. Maintenant, on va chanter leur génération rêve de grosse Fest, belle Fest. On arrive à prendre la décision de faire l'album et JC doit partir pour la France. On a été un peu surpris par l'ampleur de Talaïka. À un moment, la question était de savoir pourquoi la polarisation tournait autour de H2O et RDS. Non, Zapata Boys et RDS. À un moment, c'était les deux piliers du rap béninois. C'était ce qui était offert. Et nous, on voulait venir avec une autre alternative. Mais nous, on était autoproduits. On avait pris la décision de s'autoproduire. Et c'était, je crois que c'était 4 jeunes élèves du collège au pied qui décident d'autoproduire un album avec Danny qui nous aidait dans tout ça. C'était un gros risque. Moi, j'étais déjà à l'université en Europe et je me souviens, le premier clip, c'était « You drive me crazy ». Et donc, à côté de les gars m'appellent, ils disent « Mais tu dois sortir dans le clip, tu dois sortir dans le clip ». Je dis « Mais ça va être bizarre ». Les gars ont tellement incité, c'est le premier cri. Moi, je n'ai pas mes voix dessus, pas du tout. On avait travaillé les sons, puisqu'en réalité, la plupart de ces chansons-là là, existaient déjà avant que moi, je ne parte à l'université. Je me souviens, après, je crois, une journée de mixage, Danny fait ses trucs, il nous appelle, il dit « il faut qu'on se parle ». Et je me souviens, Elik, moi, Christian, on se retrouve à la maison à l'Étoile Rouge. Là. Danny nous appelle, il dit « vous savez quoi, c'est pas bon ». L'enculé de Danny, il a raison. Et on a supprimé tout le premier enregistrement. Donc, le premier cri a été enregistré 2 fois. Le premier cri, on l'a enregistré sur bande. Lorsque quelqu'un buguait, il fallait tout reprendre au départ. Plus de ça, Lionel, si tu te rappelles, moi, je me demande comment nos parents ne nous ont pas reniés. Parce que, j'y sais, si tu te souviens, il nous arrivait de faire des spectacles à 2h du matin et d'être à l'école le lendemain à 7h pour les cours. Ouais. Et de, Le premier festival qu'on a fait, le CITEB, on était en kaki, je m'en souviens. Voilà. On était en kaki, on avait quitté l'établissement, on a séché les cours, on est allé faire le festival. Donc, Dalaïka devait jouer, c'est Mab Dani qui nous avait calé. On fait nos 2 sons, on descend dans un silence, mais c'est-à-dire un silence d'église, quoi. C'est-à-dire, genre, vous finissez votre spectacle et tout le monde vous regarde. L'animateur, je crois que c'était Pidio. Ah, nous les félicitons, le jeune groupe d'Alaïka, oui, faites du bruit pour eux. Silence. Et nous passons à l'artiste suivant. Il nous fait de la salsa. Merci d'accueillir Escapunto. Mais le bel bord, les émigrants poussent les motos. Tout ça, les gars montent le gars. C'est-à-dire, le gars, il est monté comme Michael Jackson. Quoi. Je dis, merde. Franchement, on a encore tellement de choses à faire. Quand est-ce que moi aussi je vais monter comme ça sur scène, les immédiatement pousser les motos comme ça? Ouais, Phoenix et Fada, la version. Sous le bel micro qu'on élève. Je suis fou de mon style, j'ai le même style. Je suis fou de mon style, c'est là que t'offres mon freestyle. Freestyle, hey yo. Je suis fou de mon style, j'ai le même style. Je suis fou de mon style, c'est là que t'offres mon freestyle.